écoutez le Drive RTL 2, ça vous dit quelque chose? Elle s'appelle Diva Faune, la jeune femme qui les accompagne est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis ravi de retrouver, c'est Claire de Namur. Ils sont en live avec nous dans le grand studio de RTL2. Voici Diva Faune et Claire de Namur. Would You Stand By Me, c'est toujours tiré de ce premier album de Diva Faune. Allez-y les garçons. Alors je comprends plus rien, il faudra qu'on parle parce que là j'en vois trois maintenant des garçons. On y reviendra peut-être. De plus en plus. Oui, ils sont de plus. La prochaine fois vous êtes quatre, c'est ça. Diva Faune. My love, do you remember what a time? It was when all the bells started to chime. They sang of trees of green and skies of blue for only you. We asked each other's heart for more and more as you invited me through your door. I came to you with all the things of mine and all is fine. Would you stand by me? Would you stand by me? Cet amant qu'on trouve vite, plus rien ne te rattrape, plus qui aime la poursuite. Attention à la claque, mon cœur noir qui papille, prend la fuite et oublie-moi. Si je souffle juste un coup sur le feu, on brûlera. On pourra se réfugier sous les cendres, isolé, nul ne pourrait nous entendre. Immobile, on respirera, c'est tout, on sera nous. Les cris, nos larmes se rechargent à l'infini. À l'abri de me prononcer tout bas, on y recroit. Les doutes, les guerres, les éclats, on en vivra de trop. Là où retombera la poussière, on laissera les mots. Tant pis si on en crève ou pas, on brûlera. Yes, I do mean it as it's always been a delight just to be with you, my love. Diva Faune avec Claire de Namur. Allez, venez prendre place dans notre immense studio, ce mini-live du Drive RTL 2. Je suis vraiment ravi de vous avoir. Alors, il va falloir m'expliquer un petit truc. Hein. Diva Faune, on a fait connaissance. Il y avait Yogan et Jérémy. Voici que Val arrive et surtout Claire. D'abord, présentez-moi ce troisième jeune homme. Attends, je vais attendre qu'il s'installe un petit peu. Présentez-moi ce troisième jeune homme qui vient d'arriver. Qui est ce troisième jeune homme sur la photo, les garçons? Valentin. Valentin. Et d'où il vient, Valentin? Alors, parce que ça fait un petit moment que vous travaillez ensemble avec Valentin. Oui, il était en studio avec nous déjà depuis un moment. Ça fait, 5 ans les premières prises studio. Mais t'étais 5... pas sur la photo avant, t'avais pas le droit. J'étais pas vraiment, j'étais dans le background du projet. D'accord. Bon, alors cette chanson, elle est tirée de ce premier album de Diva Faune et voici qu'arrive Claire de Namur. Bonjour Claire. Bonjour Eric. Je suis tellement content de te retrouver. Claire, on s'est connus il y a très très longtemps. Claire, c'est une des rares grande chanteuse de folk française qui avait un peu disparu de la circulation, mais j'ai appris en fait ce que tu avais fait. Tu as fait des musiques de films, tu as fait des musiques de téléfilms, tu as fait plein de projets parallèles. Le dernier
dernier album, c'était Vagabonde. Ça devait être quoi, 2010, 11 2011. Ouais. Et comment est-ce que tu as rencontré les deux zozos, mais non, les trois garçons? Eh bien, on aime très fort le même attaché de presse. Le même zozo, qui s'appelle Jean-Michel Guénitro. Ouais. Et Jean-Michel m'a vu poster quelques infos sur un nouveau projet et m'a posé des petites questions. On a bu un café pas plus tard, je sais pas, une semaine plus tard, il me propose éventuellement de collaborer avec Divaphone. Ouais. Génial, quoi. Vous la connaissiez, Claire, avant que Jean-Michel ne fasse le go-between? Oui, on a un ami en commun, en fait. D'accord. Aussi, D'accord. Et vous connaissiez son travail sur la folk, sur la guitare, justement, sur le rock. Il n'y en a pas beaucoup des filles, hein, qui font sa musique comme ça. Alors, tu sais quoi, c'est assez marrant, parce que je crois que c'est après que le morceau soit sorti que j'ai découvert Hang Me Up to Dry. Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'était pas dans ma playlist, il y a 10 piges. Je crois surtout que tu m'as. À un moment donné, tu m'as écrit sur Messenger du style, mais en fait, c'est genre toi, Claire de Namur, quoi. c'est la vraie Claire de Namur. Ouais, on n'arrête pas de dire n'importe quoi et de se marier, mais c'est très cool. C'est une nouvelle aventure. Bon, comment s'est passé le confinement pour les uns et pour les autres? Vous avez dû arrêter de faire de la musique. Vous êtes rentrés tous chez vous. Je sais que Claire était dans le sud-ouest, mais vous, les garçons? On fait beaucoup de musique confinée, nous, ouais. Par Internet. Donc, on a continué à faire ça. On n'a pas trop été gênés, ça va. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer là pour le futur? Évidemment, il y a cet album, il y a ce single qui passe beaucoup à la radio. C'est un très bon single. Par la version que vous avez faite, c'était canon quand même. Il y a des nouvelles chansons qui vont arriver. Il y a des dates de tournée qui vont arriver. Racontez-moi. Ouais, les concerts, on espère reprendre le plus vite possible. Ouais. Et puis sinon, pas à l'abri qu'on fasse tout l'album en single. On est à peu près à la moitié là, donc. Et est-ce que le single qui était en collab avec une Australienne qu'on aime beaucoup, qui s'appelle After the Show, je parle de Julia Stone, est-ce que ce single va sortir? Est-ce que le clip est fait? Vous en êtes où là? Alors, Georges Desgrilles sur un truc qu'il fallait pas dire. Peut-être un jour un clip, mais là on a fait une vidéo où on explique le titre, où on joue un petit bout et où on met aussi un petit bout de musique avec plein de belles images. Bientôt aussi, peut-être le clip. Ça aussi c'est une belle rencontre, Julia Stone. Hein, ah ouais, ça c'est une chance. Angus et Julia Stone. Ouais. Mais sur cet album, on a été mis en contact avec des gens foufous et. On remercie Jean-Michel pour la collab avec Claire de Namur et aussi Jean-Christophe pour toutes ces rencontres depuis Marc Platy de Bowie avec le premier EP, etc. Ouais. Oui, et puis Léa Passy, hein, qui passe aussi en ce moment beaucoup dans un duo avec James Blunt. Claire de Namur, pour vous expliquer, vous, les auditeurs de RTL2 qui la connaissaient peut-être pas, je vous le disais, c'est une très grande chanteuse folk, c'est une compositrice, c'est une auteure, c'est une interprète. Il y a eu deux albums et puis après, il n'y a plus rien eu. T'en es où aujourd'hui? Je crois qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle Boy. Oui, tout à fait. Fait Boy, hein, B-O-Y-E, parce que une garçonne, bon, bah, en même ça, temps, ça, depuis le début, hein. Ceux et celles qui me connaissent effectivement depuis le début, en anglais, parce que ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai grandi aux États-Unis, je ramène plutôt ma plume de là-bas. Rôle de mélange, hein, France, Hollande, Argentine, hein, à la complètement, base. Ouais. Et en gros, voilà, nouveau projet dont le single devrait sortir sous forme de clip d'ici début juillet, donc c'est vraiment imminent. Ça fait longtemps qu'on attend ça, on est deux dans ce projet. Il y a Max Futur, un artiste. Autonome de son côté, qui a fait de très beaux projets et c'est en fait cet ami-là qu'on a en commun avec Yogan et on ne le savait pas non plus. Donc voilà, Max Futur, donc Boy, qui sort tout simplement dans deux semaines. Bon, je profite de votre présence. Vous avez accepté de faire une cover. J'adore cette chanson et alors je trouve qu'elle est particulièrement de circonstance. Hein. C'est une chanson que Louis Armstrong chante pour la première fois en 1967, à un moment où on est quasiment dans des émeutes raciales et lui, noir américain, décide de chanter What a Wonderful World. Pourquoi vous avez décidé de la chanter, cette chanson? On a toujours été... un groupe plutôt positif, je crois. Ouais. On a tendance à voir le bon côté des choses tout le temps. Peut-être un peu trop. Hein. Peut-être beaucoup trop. Non, mais c'est une chanson qui fait du bien. Objectivement, dans cette chanson, en fait, Armstrong fait l'énumération, justement, des choses qui sont jolies à voir, qui font du bien, etc. Et peut-être que c'est précisément le genre de chanson qu'il faut écouter. Vous voulez bien nous la faire maintenant? Ouais, c'est sûr. Allez, Divaphone est avec nous. On est en live. Après, on va jouer avec notre petit pad, hein, parce qu'on a essayé de voir vos influences musicales les uns et les autres. Claire, tu peux jeter un œil dessus? Parce que tu vas jouer toi aussi, le temps que les garçons s'installent. Et donc cette chanson, je vous le disais, hein, qu'on va entendre maintenant en live sur RTL2, c'est un cover de cette fameuse chanson de Louis Armstrong. Ça va forcément vous rappeler des souvenirs. What a Wonderful World. Et si vous aimez la radio, il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Good Morning Vietnam, et c'est une des scènes clés justement de ce film, quand le DJ de cette radio au Vietnam lance cette chanson et qu'on voit justement les images dures qui sont à l'intérieur du film. Quand vous voulez les garçons, Divaphone en live sur RTL2.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Nothing to myself. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds are white, the bright blue day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh. Colors of the rainbow, it's pretty in the sky, are the same on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They only saying, I love you. Oh. And I see baby, 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 baby cry. Ooh. And I watch them grow. They learn much more. Myself and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, c'est ce qu'il fait le héros du film à la fin de cette chanson. Alors, bah voilà, hein, c'est Val, c'est Yogan et c'est Jerem qui jouaient cette chanson What a Wonderful World. Je profite que tu sois la première assise, Claire, pour être en face de moi. On va essayer de discuter avec vous tous. Venez nous retrouver, les garçons, hein, de vos influences musicales, histoire de vous faire découvrir par les auditeurs de RTL2. Si tu devais choisir une chanson sur le pad que j'ai installé, Claire, tu mettrais. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Alors pourquoi Alléluia, Claire de Namur? D'ailleurs, moi, je préfère beaucoup plus sa version à lui, à Buckley qu'à Cohen. Qu'à Cohen, ouais. Et parce que... je sais pas, ça me fait penser à l'intérieur d'une cathédrale, à quelque chose d'immense, d'un peu infini. Ouais. On peut pas y mettre de barrière et la voix porte comme rare les voix portent en fait. Mmh. C'est vraiment la voix qui m'a beaucoup ému. Jeff Buckley, dont on a commémoré la disparition, c'était il y a quelques jours, hein, quand il est mort noyé dans le Mississippi. Yogan, tu veux bien choisir une chanson histoire de partager avec les auditeurs d'RTL2? Ah, Nirvana donc. T'es coupé la chic. Il va se faire. Ouais, Nirvana, ça fait partie des influences majeures pour toi, Yogan, ou c'est ça juste se voit pas encore beaucoup, ça va peut-être se voir un petit peu plus. Tiens, la guitare est tombée. C'est voilà. Voilà. Façon, il y en a plus ça, besoin, ça, le live ça est tombe fini. Bien, aussi, c'est une guitare à 6 millions de dollars. Et vous avez vu que la guitare de Kurt Cobain s'est vendue qu'il avait millions, pour... Ouais, bah, c'était celle-là, dommage. Hein. J'attends toujours le paiement, d'ailleurs. Très bien. Jérém, j'en choisis une. Ouais, vas-y, choisis celle que tu veux. Je prendrai celle-là. Ouh. Alors c'est hyper étonnant, c'est-à-dire que on est avec Divaphone, d'un côté la Yogan qui nous sort Nirvana et toi qui sors les Daft Punk. Pourquoi? Et parce, ouais, ma parce gueule. Que, je pense que Divaphone, ça a toujours été un peu le mélange des influences, c'est peut-être ça qui fait la touch. Et Around the World, parce que c'est exactement là où j'ai envie d'aller un peu ces derniers temps, tu vois. Ah oui, mais je peux comprendre, ça c'est un truc que tout le monde a envie de faire. Val, tu nous en ferais une petite ou t'es plus? Allez, attends, allez, Val, attends, mais moi c'est plaisir. Ah, on lui fout Renault, il se justifie. J'ai pas d'argument, mais c'est un plaisir. Allez. En hommage à la nature et au soleil. Bob Marley, I Shot the Sheriff. Ah, je me laisse. Allez.
Allez, Claire. Claire, on la reprenait avec Jérémy d'ailleurs. Claire, on s'amuse encore. Vas-y, coupe-nous, Bob, et mets ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a tout de Led Zepp, j'ai dû écouter ça quand j'avais 9 ans. Quoi. À quel âge t'as commencé à jouer de la guitare toi ? J'ai commencé à jouer, je devais avoir 12 ans. J'ai commencé à apprendre en autodidacte à 12 ans. Ouais, et j'ai jamais pris de cours depuis, je voulais le faire pendant le Covid. J'ai pas fait. Voilà. Tu t'es mis à l'électrique quand ? Pas encore à l'électrique, justement pendant le Covid je m'y suis mise, ça fait partie de la suite pour moi. Là ça a toujours été électro-acoustique ou acoustique. Mmh. Ah, ce serait cool. Ouais, j'aimerais bien l'électrique. Ça tirait bien. Mon père, sa petite avec une Mustang, Stratocaster blanche, Made in USA. Voilà. Tout, là, on le reste de ma famille, quoi, tout le temps, je peux jamais mettre la main dessus, ça m'énerve. Allez, Yoga, une chanson. On a encore le temps, Thomas, de partager les bouts de musique. Le plus grand groupe du monde. 50 ans pour. Quand on regarde des concerts de Queen, quand on les regarde en vidéo, on a beaucoup vu le Live Aid qui a été reconstitué pour le film Bohemian Rhapsody. Mmh. Ça fait quoi quand on est un artiste ? Ça fait flipper ou ça inspire ? Quoi donc d'aller regarder Queen, Freddie Mercury sur scène ? Ah ben c'est trop bien. Ce film-là, j'avais pas envie qu'il s'arrête d'ailleurs. À la ouais, fin. Ouais, allez, encore une chanson. Non, ils n'ont joué que 5. Mais Queen, c'est quoi ? J'allais dire, c'est des modèles, c'est des sources d'inspiration pour vous L'inspiration, c'est difficile à expliquer pour moi, sûrement un peu. Mm. Mais les modèles, c'est un modèle de réussite. C'est les mecs tube sur tube, ils s'arrêtaient pas. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un truc de. C'est vraiment un groupe qu'on a écouté clairement toute notre vie, quoi. Tu ouais. Et c'est le feu dans sa voix, le feu dans sa voix, quoi. C'est une influence commune aussi qu'on avait. Mm-hmm. On avait plein d'influences différentes et ça, on se retrouvait dessus. Jérém ? Allez, j'en mets une ? Ouais, vas-y. Alors, fais-toi plaisir. Tu sais quoi ? Moi, je vais mettre celle-là. Parce que c'est exactement là où j'ai envie d'aller en ce moment. Le mec, il a des idées fixes. Je le rembobine. Val, tu nous en fais une petite. Val, il est en galère depuis tout à l'heure. Ouais, voilà, je galère un peu. Allez, mais allez. Boulot, arrête. Ah, attends, il y en a deux en même temps. Oh, DJ Merguez. Et pourquoi t'as choisi celui-là ? Eh ben, écoute, plaisir. Ah, bah, c'est simple. Vous êtes trois en ce moment, Muse 3. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on dit souvent qu'on est un peu le Muse français. Ouais. Enfin, surtout toi. Enfin, surtout Val. Surtout Val qui le dit. Ouais. Allez, est-ce qu'on a le temps de s'en faire une petite dernière juste pour ma copine Claire. Mets-en une petite dernière, Claire, juste pour le plaisir, parce que ça me fait plaisir de vous entendre parler de musique. Il y a quand même tu vas casser les couilles pour qu'il mette Johnny Cash. Non, moi je veux finir sur une touche positive, donc on met. Non, on met ça. Bah oui. Ah voilà. Pas une touche positive, vous avez touché Dieu, c'est tout. On a touché Star, quoi. C'est Starman, quoi. David Bowie, donc. Ça me fait penser à un excellent film qui s'appelle Walk Hard, où le personnage principal, qui est un animateur télé à ce moment-là, fait du patin roulette en chantant cette chanson. Ouais. Ah, t'as regardé, je connais pas ce film. Très bien. Très film bien. Préféré pour boire en regardant une film. Les garçons, je suis hyper content de vous avoir eu. Donc j'ai fait connaissance avec Val définitivement, à Yogan et Jérémy. Et puis toi Claire, t'as intérêt de revenir à la rentrée dès que le projet arrive, ça marche, tu me promets? Oui, je promets. Je suis ravi de t'avoir retrouvé. En tout cas, Claire de Namur est de retour, c'est la bonne nouvelle. Merci les garçons d'Ivaphone de nous l'avoir ramené sur le devant de la scène. À bientôt. Non mais revenez quand vous voulez tous. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Salut.